Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille, bonsoir. J'espère que vous allez bien, bonsoir, bonsoir. J'espère que ça va bien chez vous. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça va. Alors ce soir, on sera pas très long, mais on veut vraiment communiquer sur Nexus Consulting une fois de plus. Donc voilà quoi. On va répondre à toutes les questions. Si vous avez des questions afférentes à Nexus Consulting, n'hésitez pas, parce que ce soir, on veut vraiment, vraiment répondre à toutes les questions que les gens ont. Parce que bien évidemment, il y a des gens qui ont souvent des questions, mais qui ne sont pas souvent voilà, couverts. Et c'est la raison pour laquelle ce soir, partagez le direct. Et surtout, si vous avez des personnes qui viennent d'avoir le bac en Afrique et qui cherchent des établissements là où aller étudier, Nexus Consulting est là, quoi. Donc on va gérer ça comme ça ce soir. Et c'est possible, n'oubliez pas. C'est possible. Si vous avez des questions sur les États-Unis, étudier aux États-Unis, comment ça se passe? Si vous avez des questions sur les États-Unis, venez, on va en parler, on va discuter. On va se faire un plaisir de répondre à toutes vos questions. Sans tabou en plus. On va répondre à toutes vos questions sans tabou. Voilà quoi. On va répondre à toutes les questions sans tabou. Donc voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Donc, les amis, comment ça va? Comment ça se passe chez vous? Comment ça va? Donc, c'est ça. Veut vraiment le faire, on veut vraiment le faire parce que voilà. C'est Nexus Consulting LLC dans la place. Donc, voilà. Question ce soir. Parce qu'en vérité, ce que nous on fait, c'est quoi? C'est-à-dire, on offre toutes les filières, bien évidemment. C'est toutes les filières qu'on offre, en fait. Donc, lorsque vous arrivez, si vous avez des questions, comment ça se passe, les tarifications, des préoccupations quelconques, n'hésitez pas, n'hésitez pas. On est là, on prend toutes vos questions, en fait. On prend toutes vos questions et on va y répondre. Bonsoir, Gracia. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. C'est comment tu nous prives de ta caméra ce soir? Yo, en tout cas, je prie de ma caméra. Oh mon Dieu. Non, mais sinon, je suis là. Je ne prie pas de ma caméra, je suis là. Je suis là. Non, parce que c'est bon de pour que les gens te voient quand même. Ça te... Ah, il veut Et parler. bien Je vais voir sûr. après, après, après. Après, Alors, les après, amis, après. aujourd'hui, on parle de Nexus Consulting, c'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez venir étudier aux États-Unis? Parce qu'en vérité, là, ce message s'adresse à tous les nouveaux bacheliers, toutes les personnes qui viennent d'avoir le bac. Tous les parents. Voilà, et tous les parents également, partagez ce live à tous les parents. Vive vraiment, ça serait bien.
Partagez, partagez qui veut venir étudier aux États-Unis. Parce qu'il y a Nexus Consulting LLC qui est là, qui peut vous assister, une agence qui est spécialisée dans la fourniture des services d'orientation et d'assistance pour C'est les ça. étudiants étrangers ici aux États-Unis. C'est ça. Donc, en tout cas, partagez, aimez le live. Vous avez des questions, vous pouvez monter, on va répondre. Encore félicitations. Tu as dit qu'au Gabon, on a déjà fiché le bac. Donc, à tous les étudiants gabonais qui ont satisfait à leur baccalauréat, félicitations à vous. Si tu n'as pas satisfait, si tu n'as pas réussi au ton baccalauréat, c'est pas grave. Tu peux toujours refaire parce que, comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Donc, partagez, partagez. Qui veut venir étudier aux États-Unis? C'est ça. Alors, le truc, c'est que bien évidemment, la raison pour laquelle, Gracia, tu devras allumer ta caméra, c'est parce que je vais prendre la vidéo pour faire le montage Ah, sur I look YouTube. like a grandma. Voilà. Donc, Oh, voilà. Alors, yes. prépare-toi, mais en tout cas, je te dis juste que la vidéo va également passer sur YouTube demain, d'ici demain, par la grâce de Dieu. Alors, les Donc, amis, dis, est-ce que vous avez vas-y. des questions en ce qui concerne l'immigration aux États-Unis en qualité d'étudiant? Est-ce que vous avez des Mais questions? Warren, avant même qu'ils envoient des questions, parle d'abord de toi. Toi, tu es venu étudier ici. Donc, toi, tu es un étudiant. Parle-nous, qu'est-ce qui t'a motivé pour venir étudier aux États-Unis? Pourquoi les États-Unis? Pourquoi pas la France? Pourquoi pas le Canada? Parle-nous de ton expérience. Excellent, excellent, très bonne question, effectivement, c'est bien de poser ce genre de questions. Tu sais, en vérité, pas toujours facile de parler de soi-même, tu vois un peu, et c'est la raison pour laquelle ce genre de questions sont toujours de la bienvenue. Alors, moi, en vérité, ce qui se passe, c'est que je gagne le bac en 2011. Quand je gagne le bac en 2011, ce qui se passe, c'est quoi? C'est-à-dire, je n'avais pas d'issue, bien évidemment, comme tous les... comme tout... Oh non, 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 l'issue que j'avais, c'est que je devais aller à la gendarmerie, en fait. Oui, c'était ça, oui. Oui, en fait, quand je gagne le bac, un de mes amis et moi, on fait le concours de la gendarmerie. OK. Parce qu'on s'est dit que bon, de toute façon, il paraît qu'il n'y a pas d'issue, donc autant devenir fonctionnaire, tu vois un peu. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on passe le concours de la gendarmerie. Par contre, on a le concours, nous deux, mais le truc, c'est que je vois mon nom parmi ceux qui ont gagné, mais quand il s'agit de faire les examens médicaux, comme Ton on nom dit n'est pour pas le là. next step, tu vois un peu, mon nom ne sort plus. Why? Je ne sais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis allé, enfin ma mère et moi, on est partis demander un peu, parce qu'on avait un parent à l'époque là, à la gendarmerie, un haut gradé, qui nous a un peu parlé, je ne sais même moi, je ne sais pas quoi vous dire. En tout cas, on avait Wow. compris quoi. C'est Alors, décevant, hein? voilà, on avait compris ce que ça voulait dire concrètement. Et mon ami là, au final, il est parti, il a fait la formation, et moi je suis resté là, je suis allé on va dire ça comment? Je suis parti à la grande université du Gabon, l'université de Mabongo. J'étais là-bas en psychologie parce que oui, j'ai un background en psychologie. Donc j'ai étudié la psychologie là-bas pendant un certain temps. Et après, ce qui se passe, c'est quoi? C'est-à-dire, je viens aux États-Unis dans un concours de circonstances, en fait, parce qu'en vérité, c'était pas prévu pour moi de venir aux États-Unis. Ce qui se passe, c'est que, en vérité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est-à-dire, pendant mes démarches Campus France, parce que comme je vous dis, j'ai raté Campus France deux fois. Pendant l'une de mes démarches Campus France, c'est là où je fais une rencontre qui va changer ma trajectoire, en fait. Je vais rencontrer un monsieur qui va me donner l'opportunité de venir ici. Et c'est comme ça que je suis venu ici avec un de mes cousins, quoi. Mais sinon, c'est comme on dit, c'est-à-dire que la moralité dans cette histoire, c'est d'apprendre à être courtois avec les gens que tu ne connais pas. Voilà, tu vois un Oui, peu, tu sais, des apprendre. fois, les gens ont peur, hein? Oui, bien sûr. Et même là, pour être honnête avec toi, non seulement d'abord, c'est quelqu'un que quand j'ai vu la première fois, tu vois, quand quelqu'un te dit que non, mais je peux te faire partir aux États-Unis, Tu automatiquement, tu te doutes. mets à rire parce que tu vois la manière dont il est habillé, quoi, tu vois. L'habit ne fait pas le moine, hein? Exactement, exactement. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que avec le monsieur, en fait, la manière dont il était habillé, j'ai dit, mon Dieu, papa, qu'est-ce que toi, tu veux faire partir aux États-Unis? Après, je me suis dit, mais attends, Warren, de toute façon, ça fait deux fois que tu fais Campus France. Si le gars là te dit qu'il veut t'aider là, qu'est-ce que tu as encore à perdre en fait? Vraiment, c'est ça aussi en fait.
qu'est-ce que tu as appris? C'est-à-dire, et ce qui était mis avec le monsieur, c'est que le monsieur ne me demandait pas quelque chose, en fait. Et c'est ce qui m'a un peu Ouais. étrigué. Ben, je me suis dit, mais attends, mais le monsieur, là, il me demande, il me parle bien comme ça, là, mais je suis quand même, je veux dire que jusqu'à la preuve du contraire, Dieu ne le connaît ni d'Adam ni Ève, en fait. Mais comment? Voilà. Donc, on a fait la procédure comme ça, je me suis dit, c'était sans plus. Mais bizarrement, ça a marché, en fait. Donc, la raison pour laquelle moi je me retrouve aux États-Unis, c'est simplement un concours de circonstances. Oh, Voilà. Un concours de mais on circonstances. sait que tout le monde n'a pas la même chance, au fait. Bien sûr, bien sûr. Et ça, je suis conscient de ça, que tout le monde n'a pas la même chose. Mais la raison pour laquelle on a monté Nexus Consulting, c'est parce que, en fait, on veut donner à nos frères et nos sœurs la chance que nous, on n'a pas eue, en fait. Ou bien, non, je vais dire, non, la chance que d'autres auraient peut-être eu, auraient voulu avoir. Disons ça comme ça. Est-ce que tu vois un peu? C'est-à-dire, maintenant, là, on décide de donner cette chance-là en disant que non, parce que nous, on est arrivés aux États-Unis, on connaît comment le système fonctionne, Bien que sûr. là, maintenant, en fait, il est possible pour nous de vous montrer comment le système fonctionne en prenant nos services, en fait. Oui. Voilà. Ça, c'est la bonne chose, en fait. C'est ça, en fait. Parce qu'en vérité, on aurait pu être ce que les Américains appellent selfish, c'est-à-dire les égoïstes en Égoïste. disant, bon, eux, ils sont déjà venus, eux, ce qu'ils font maintenant dans les réseaux sociaux, c'est juste montrer les photos, là où ils portent des Timberland, là où le thé a changé, tu vois un peu. Alors que c'est pas C'est ça, pas quoi. ça. Non, 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 c'est pas Mais ça. comment était ta vie en tant qu'étudiant ici, au fait? Moi, j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé, par exemple, quand tu es arrivé. C'était quoi l'atmosphère? De qui tu t'es rapproché, par exemple? Est-ce que tu t'es rapproché de ta communauté ici, au Nebraska, là-bas, ou bien? Ah, ok, très bonne question, excellent. Alors, le truc, c'est que quand je viens une période, je viens un 23 octobre. Je viens un 23 octobre 2015. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est-à-dire, quand j'arrive, il y a mon cousin qui vient me prendre à l'aéroport parce que mon cousin m'avait devancé de 9 mois. Donc, il m'a pris à l'aéroport, je suis venu, il m'a dit, comme, en fait, c'est vraiment le service là qu'on offre aux gens, en fait. Le fait que, parce que quand mon cousin est venu me prendre à l'aéroport, il est venu me prendre et il m'a donné, à l'aéroport, il m'a donné les clés de mon appartement. Wow. Ouais, Là où clés tu de vas mon les vivre. Donc appartement. tu t'abandonnes à toi-même dès l'arrivée. Mais je t'ai Soyons dit, honnêtes. orientée du mieux qu'elle pouvait, mais lui aussi, il avait ses choses, hein. C'était pas Mais c'est ça évident. la vie aux États-Unis. C'est Quand ça, chacun a c'est ses ça. problèmes, la priorité c'est toi-même. Voilà, voilà. Et alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est-à-dire, quand j'arrive aux États-Unis, quand je viens d'abord, le premier choc d'abord que je reçois, c'est. Je pense que le premier choc que j'ai même d'abord plus reçu, c'est. Parce que mon vol a fait escale en Turquie. C'est d'abord, en fait, la Turquie, le froid que j'ai ressenti à Turquie qui m'a choqué. Wow. Ouais, c'est le choc-là. Et puis, déjà, le fait que la Turquie, c'est autre chose, que l'aéroport de Turquie, c'est autre chose. Je vous assure que. Voilà, c'est-à-dire, c'est ça. Et ensuite, maintenant, quand j'arrive ici, alors, comment ça se passe pour moi en qualité d'étudiant? Alors, le truc, c'est que, en vérité, quand je commence à partir à l'école, Google Translate, c'est mon meilleur ami dans mon téléphone. Est-ce que tu vois un peu? Ce qui se passe, c'est que Google, j'amène Google partout là où je pars dans mon téléphone. C'est-à-dire, si je veux faire une démarche administrative et que je ne connais pas, je ne comprends pas ce qu'on dit devant, moi, je prends mon téléphone, je parle en français, et Google traduit pour moi. C'est comme ça que ça s'est passé en fait. C'est-à-dire, partout là où je partais, j'avais toujours mon téléphone à côté avec Google en audio. Ce qui fait que du coup, quand j'ai envie de dire quelque chose, je dis ça en français et Google traduit pour moi en anglais en fait. Et je monte ça, soit là, je mets l'audio pour que ça parle directement et que la personne écoute, ou bien je fais lire à la personne en fait. C'est comme ça que je fais mes premiers débuts dans la langue anglaise en fait. Parce que je ne parle pas l'anglais. J'avais quelques mots, mais je m'inspire de Google Translate. Et ça aussi, ça peut être une technique pour vous, par exemple, lorsque vous allez à l'étranger et que vous ne parlez pas la langue locale. C'est-à-dire que prenez une petite application. Moi, à l'époque, là, c'était Google. Mais aujourd'hui, je vois maintenant, il y a beaucoup d'applications qui facilitent les traductions. Prenez ça, en fait,
Et faites en sorte que ça vous serve les premiers moments quand vous venez d'arriver dans un pays, en fait, et que vous ne parlez pas la langue locale, parce que ça va beaucoup vous aider, ça va beaucoup vous sauver, en fait, et même ça va aussi vous permettre de mieux vous adapter avec les autres. Donc, moi, ça m'a vraiment, vraiment aidé, cette application-là. Je me souviens, j'étais bloqué dans une administration, dans un projet où, à l'école, je ne savais pas comment bien m'expliquer ce que je voulais dire par rapport à ce dont j'avais besoin. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste pris mon téléphone. J'ai débité ça là en français et ça ne faisait seulement que traduire en anglais, parce que la dame a compris ce que je voulais dire, en fait. Donc, en vérité, parfois, faites avec les moyens du bord. Faites vraiment avec les moyens du bord parce que ça va permettre, en fait, que vous vous adaptiez plus facilement. Et l'autre chose aussi qui m'a quand même un peu sauvé aussi en qualité d'étudiant, c'est le fait que j'étais beaucoup curieux. C'est-à-dire, je ne regardais pas, je ne regardais pas le fait que est-ce que je parle assez bien l'anglais, est-ce que mon anglais est propre. Tu vois un peu, non, je ne regardais pas ça parce que c'est pas ça qui m'intéressait. Moi, par contre, ce qui m'intéressait, c'était le fait que je veux vraiment, vraiment parler la langue. Donc, je n'avais pas les a priori de est-ce qu'il parle bien, est-ce qu'il s'exprime bien. J'essaie de mettre ça en bonne et due forme, attends. Oh là là. What happened? Donc voilà, j'étais comme ça en fait. C'était ça, c'était le fait que voilà, je n'avais pas honte de m'exprimer. Parce qu'en vérité, il faut tuer cette honte là depuis le début quand tu arrives. Vouloir parler une langue, c'est vouloir vraiment faire en sorte que tu tues la honte, en fait. Il faudrait que tu n'aies pas peur de t'exprimer. Tu fais même les fautes, mais pour qu'on sache que, ah, lui vient d'arriver, en fait. C'est des années pour ça, corriger les gens. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, si je comprends bien, notre live, c'est sur Nexus à tous les Yes, petits, à ma'am. tous les futurs étudiants, si, à tous les parents qui ont des enfants qui vont bientôt, qui ont peut-être fait leur bac, mais qui ont été satisfaits leur bac. Donc, il y a Nexus Consulting LLC qui existe ici aux États-Unis. C'est juste une agence spécialisée pour assister, d'orienter les futurs étudiants qui souhaitent venir étudier aux États-Unis. Donc, Warren est un étudiant. Il fut étudiant. Donc, il a l'expérience de la vie d'étudiant ici aux États-Unis. Donc, ce qu'il vient de dire, si je récapitule, il vient de dire que lorsqu'il est arrivé, puisque l'anglais, ce n'est pas sa première langue, lorsqu'il avait des questions ou bien il voulait se poser, demander un service à quelqu'un, il utilisait Google Yes. Traduction. Donc, les amis, moi j'ai toujours dit, Internet, Google, c'est pas juste pour poster les choses, c'est pour faire les recherches. Je l'ai toujours dit. Donc, quand tu vas sur Google, tu peux voir l'option de traduction. Tu peux même parler. Tu peux même demander comment est-ce qu'on dit ceci en français, en coréen. Donc, lorsque tu arrives dans un pays où la langue qui est parlée, ce n'est pas ta première langue, tu peux utiliser ton téléphone. Donc là, j'assume que tant que tu as l'Internet, tu peux utiliser ton téléphone en ouvrant l'application Google et tu demandes la traduction. Donc, quand Warren est arrivé aux États-Unis, c'est ce qu'il faisait. Une fois que c'était installé pour aller à l'école, s'il avait des questions, tu vois, toi, tu as utilisé Google. Par contre, moi, quand je suis arrivé aux États-Unis, non, disons, quand j'étais arrivé au Ghana, j'avais tendance à écrire ce que je voulais dire. Et je mémorisais ce que je voulais dire. Ah ça. OK? Ouais. C'est comme ça que j'ai amélioré mon anglais en parlant. Parce que arrivé dans un milieu où les gens parlaient qu'anglais, j'étais pas trop proche de ma communauté francophone. En fait, on était proche à l'école, mais hors de l'école, les week-ends, j'avais un plan où je me retrouvais dans une communauté où les gens ne parlaient pas le français. Parce que là, je me forçais de parler langue. Je pose la question. J'ai besoin d'eau. Est-ce que je peux avoir de l'eau? Où est-ce que je vis dans tel quartier? Où est-ce que je prends le transport? Si je prends le taxi, comment est-ce que je dis, Kenny, peux-tu m'emmener à tel endroit? Tu vois? Donc, c'est un peu ça. Donc, du coup, quand un étudiant vient aux États-Unis en utilisant Nexus,
Est-ce que Nexus va aussi assister pour récupérer l'aéroport, par exemple? Est-ce que Nexus aussi, comme ton cousin veut te récupérer l'aéroport, est-ce que Nexus va assister avec, par exemple, leur montrer la direction, le chemin de l'école, plutôt de là où ils vivent, de là où ils vivront jusqu'à l'école, de la maison jusqu'à la boutique du quartier, de la maison jusqu'à peut-être ils tombent malades au milieu de la nuit, où est-ce qu'il faut aller? Est-ce qu'on va même leur expliquer le système de santé quand tu es malade? Moi, je n'avais pas le paludisme peut-être, mais le mot de l'eau, c'était vraiment un problème pour moi. Est-ce que Nexus va assister avec tout cela, toutes ces informations par exemple? Ok, très bien, très bonne question. Alors, en vérité, il faut savoir une chose d'abord, c'est que Nexus, on a trois offres. On a trois offres essentielles. On a l'offre Gold, l'offre Silver et l'offre Platinum. En vérité, si vous prenez l'offre Platinum, c'est là où en fait vous allez bénéficier de l'accompagnement, c'est-à-dire les orientations. En fait. Et c'est là où justement, c'est dans cette offre-là qu'on met le service d'orientation. Parce qu'en vérité, on comprend une chose essentielle, c'est que le but pour nous, c'est pas de juste faire venir l'étudiant après l'étudiant, lui, c'est des merdes. C'est pas ça. Nous, on veut vraiment bien faire les choses correctement. Et c'est la raison pour laquelle on offre ce service-là derrière, ce service d'orientation. Parce que on veut que l'étudiant réussisse dans son immigration aux États-Unis. Maintenant, quand vous prenez le service Platinum, c'est là où il y aura ça à l'intérieur. Le service Platinum ici, c'est le service là où on vous offre. Là, on fait la démarche pour vous, l'inscription, le logement. Avec la condition que l'étudiant devra envoyer sa caution pour qu'on réserve son logement. Et ensuite, on vous donne 2 semaines d'orientation. Dans le service d'orientation, là, c'est là où on va maintenant aller en long et en large. Donc, ce dont l'étudiant, autant pour moi, a besoin de connaître quand il arrive aux États-Unis. Parce qu'en vérité, l'autre chose qui a fait également qu'on monte Nexus Consulting, c'est parce qu'en fait, c'est la somme de plusieurs frustrations que j'ai rencontrées en qualité d'étudiant. Moi, je me souviens, quand je venais d'arriver, il y a une pharmacie ici qui s'appelle, je ne veux pas faire la publicité, c'est qu'on ne paye pas pour ça. C'est-à-dire, il y avait une pharmacie qui était à côté de chez moi, mais comme je venais d'arriver, je trouvais ça loin. Parce que, en fait, quand tu viens d'arriver, tu te dis que, mais je suis passé la dernière fois là en voiture avec tel, c'est sûr que c'est loin, donc je n'ai même pas la peine de m'aventurer dans ça, en fait. Et c'est comme ça que j'ai vu tout était loin, mais en fait, c'est comme ça quand tu viens d'arriver quelque part. Tu vois trop loin, mais alors que parfois, c'est même pas loin. C'est quand j'ai commencé à me déplacer que j'ai vérifié que non, mais c'est ça, en fait. Donc, on peut juste marcher, aller dans cette pharmacie et revenir. Donc, ce qu'on fait dans l'offre Platinum, c'est qu'on accompagne les étudiants de A à Z à maîtriser l'environnement dans lequel ils vivent, en fait. Parce que c'est ce qui va faire toute la différence. On va te montrer comment est-ce que tu prends le bus, là où tu achètes ta nourriture, là où, par exemple, comme tu as parlé tout à l'heure de santé, par exemple, parce qu'en vérité, quand tu viens en qualité d'étudiant, l'étudiant a une assurance santé depuis son école. Ok. Voilà. Donc, quand l'étudiant a l'assurance santé depuis son école, on va lui montrer les centres de santé qui sont à côté de son lieu en fonction de son zip code, quoi. Tu vois un D'accord. peu? En fonction de son là où il se trouve son code postal. Franchement, dis-le en fonction de son quartier. Chez nous, on dit quartier. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va vraiment aller en détail dans ça pour montrer à l'étudiant qu'on ne l'abandonne pas et qu'on veut vrai. Parce qu'en vérité, là, Hi, James. Yeah. Donc, James. C'est un gars qu'on se passe souvent là. James, il est là. Ok. Tu vas d'abord se mettre. Donc, James, si tu viens de joindre notre live, alors Warren et moi, on parle de Nexus Consulting LLC, qui est une organisation qui s'occupe spécialisée dans la fourniture des services d'orientation et d'assistance pour des étudiants qui souhaitent étudier aux États-Unis. Donc, Warren, il fut étudiant ici aux États-Unis. Maintenant, il est installé, marié, une belle petite famille, travaille ici, il est business owner. Kudo.
Donc, dans le souci d'assister d'autres personnes qui souhaitent venir étudier aux États-Unis, voilà pourquoi Nexus a été créé. Donc, partagez ceux qui veulent étudier aux États-Unis, vous avez de la famille, des études, c'est-à-dire ceux qui viennent de réussir au bac, peut-être qu'ils sont encore au lycée, il y a Nexus qui est là, parce que je sais que c'est pas facile. Lorsque vous partez sur Internet, sur Google, tu cherches comment étudier aux États-Unis, il y aura tellement d'informations, tu ne pourras pas te retrouver au fait. Donc voilà pourquoi Nexus sera là. En fait, c'est pour un peu faire un résumé, pour te dire, OK, tu voulais une inscription, voici une école, voici les documents à fournir, voici combien coûte l'inscription, voici combien coûtent les documents dont tu as besoin, par exemple, qui te permettraient de faire ta demande de visa en tant qu'étudiant. Donc Nexus est là pour vous assister. Donc là, je voulais écouter l'expérience de Warren en tant qu'étudiant ici. Parce que moi, je ne suis pas venue en tant qu'étudiante. Moi, je suis pour une aventurière. Ah, J'aime tu veux de sauter. l'aventure, hein? Moi, j'aime sauter les étapes. On m'a dit, Bien. hein, qui ne risque rien n'a rien. Moi, je saute les étapes. Mais encore, si vous voulez étudier aux États-Unis, il y a Nexus Consulting qui est là. Alvin, j'étais vieux, you better come back. Il y a Nexus Consulting qui est là. En tout cas, les amis, je sais qu'on a de la famille, des cousins, des neveux, des nièces. Il y a des parents qui se grattent la tête. Je veux que mon enfant puisse avoir une bonne éducation. Il y a la possibilité de les envoyer hors du pays. Il y a Nexus Consulting qui est là. So, Warren, je voulais pas te couper la parole maintenant. Continue. Alors non, c'était juste pour te voilà, c'est juste pour te dire que c'est juste pour dire ça, c'est-à-dire qu'il y a ce côté-là, il y a aussi quoi, c'est-à-dire le but de notre démarche vraiment c'est de résoudre ce problème-là en fait, c'est ce Oui. problème-là qui est là pour parce qu'on reste convaincu que il y a des gens ici qui ont qui connaissent les mêmes frustrations que d'autres aussi ont connues en fait. Reste convaincu qu'il y a des gens qui connaissent les mêmes frustrations là et ce sont ces personnes-là justement qu'on veut vraiment assister en fait en montrant que nous, et puis l'autre chose, si je voulais dire, voilà, ça me revient maintenant, c'est que nous à Nexus, nous on vend un service mais on vend également une expérience. Est-ce que tu vois un peu? C'est-à-dire l'expérience qu'on vend en fait, c'est que en vérité la manière dont on s'occupe de nos étudiants, c'est-à-dire à la fin du service, en fait, toi-même, c'est toi-même qui vas nous dire ce que tu as pensé. Vraiment. Parce que on n'est vraiment pas à pas avec les étudiants. En fait, c'est même pas une question. En fait, en vérité, c'est pas une question de moyens. C'est pas l'argent notre problème. Nous, c'est l'expérience. Parce qu'on sait une chose, c'est que quand l'expérience a été bien vécue, est-ce que les gens vont encore regarder le fait que ça coûte combien? Voilà pourquoi je dis que nous, on est vraiment dans l'expérience. C'est vraiment ça notre leitmotiv, l'expérience. Parce qu'on veut, c'est une expérience qu'on vous donne en fait à Nexus Consulting. Et l'autre chose aussi, c'est que là aussi, on va parler un peu de sécurité. C'est-à-dire, parce que c'est que par exemple, il y a certains parents qui parfois s'inquiètent un peu par rapport au niveau sécuritaire. Vous savez, en vérité, la raison pour laquelle on vous suggère, par exemple, on a commencé avec le Nebraska. Parce que le Nebraska, en fait, c'est un État là où, en fait, la sécurité est au rendez-vous. Est-ce que vous voyez un peu? Oui, ça c'est C'est un vrai en fait. État, voilà, c'est un État, je vais dire quoi, c'est-à-dire, on qualifie le Nebraska comme étant un État agricole, là où on fait beaucoup l'agriculture. Et ce sont, voilà, les États, en fait, là où c'est bien pour venir étudier. C'est-à-dire, là, tu es loin de la perturbation, par exemple, des grandes villes, on va dire ça comme ça, et aussi, par rapport à la perturbation, non seulement la perturbation, mais la facilité de transport. Est-ce que tu vois? Alors que dans les grandes villes, il faut dealer avec le métro, il faut dealer avec le bus, parfois qui est en retard, et tout ce qui va avec. Mais alors qu'ici, Au vraiment. fait, c'est même, je veux même dire, je veux même ajouter, désolé, je ne vais pas t'interrompre, c'est que dans les grandes villes, pour quelqu'un, tu viens d'un pays où, tu vas dans un pays où la langue qui est parlée, ce n'est pas ta première langue. Comme j'ai dit, tout le monde n'est pas pareil. Moi, par exemple, j'apprends très vite. Tu vois, je peux arriver dans un milieu, je peux comprendre le système, mais ce n'est pas tout le monde. Parce que d'abord, il faut comprendre la frustration. Tu quittes d'abord
ta maison, ta famille, les gens que tu connais depuis longtemps, peut-être tes amis, vous êtes des amis depuis que vous avez commencé le primaire ensemble. Vous avez grandi, vous avez fait le bac. Là, tu te retrouves dans un milieu où tu es seul. Parce que je peux dire que c'est frustrant quand tu te retrouves dans un milieu où tu es seul. Et tu viens pour étudier, tu te poses les questions. Est-ce que je vais réussir? Donc, du coup, être dans les grandes villes, comme par exemple là où je suis, dans le Maryland, tout le monde est en train de travailler. Tout le monde, ça bouge, ça bouge, ça bouge. D'autres personnes, parce que quelqu'un comme ma petite sœur, s'il arrivait dans mon, mais dans la ville où je suis, Washington, je suis non de Washington DC, je suis dans le Maryland, peut-être qu'elle ne pourra pas s'en sortir. Pourquoi? Parce que l'environnement, ça va trop vite pour elle. L'environnement, ça va trop vite pour elle. Par contre, si elle était dans un coin où c'est plus calme, ça sera plus facile pour elle de s'en sortir. C'est ça, c'est ça. Parce qu'il faut Donc, du tenir coup, compte. il faut tenir compte de ça. Donc, le Nebraska, c'est vraiment côté, c'est vraiment calme. C'est It's not fast forward space. It's very like it's in a slow motion. Et puis aussi, ce sont les états là où, en vérité, pour un étudiant, parce que ce que les gens ne réalisent pas aussi, c'est que quand tu viens aux États-Unis, la vérité, c'est que la langue te fait défaut, parce que tu vois un peu. Donc, mais bien sûr, la langue te fait défaut. Alors, sois honnête. Alors, combien de temps ça t'a pris toi avec la langue? Bon, le truc, c'est que en vérité, ça m'a pris, on va dire, grosso modo, c'est-à-dire, là, tu parles maintenant de quand quelqu'un, par exemple, peu importe là où je suis, quand il dit seulement quelque chose, j'écoute, n'est-ce pas? Non, 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 non. Je parle de où tu as, comment tu commences l'école, tu commences avec la langue. Combien de temps toi ça t'a pris pour finir avec la langue, par exemple, et t'as la transition dans... Non, Non. je pense que la transition s'est faite après 9 mois. Après 9 Donc, mois. en 9 mois, you were good, tu pouvais commencer avec les cours. OK. Après 9 mois. Et comment est-ce qu'il a permis cela facile pour toi, pour que l'anglais, que ce soit facile pour toi? Est-ce que tu étais autour de ta communauté ou bien l'école te permettrait de faire, genre, nous, au pays, on avait genre des clubs d'anglais, par exemple? Alors, le truc, c'est que au pays, dans Il mon faut lycée, il y dire, avait des faut clubs bien préciser d'anglais. au Gabon. Il y a déjà les. Au Mais mon Gabon. cher, les clubs d'anglais, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Les clubs d'anglais ouverts samedi et dimanche. Tu vas seulement samedi et dimanche. Les autres jours de la semaine, tu parles même plus anglais. Tu vas au marché, c'est français. Tu vas dans la boutique, c'est français. Alors qu'ici, c'est différent. En fait, en vérité, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est-à-dire, au pays, l'autre club d'anglais, c'était tous les vendredis. Tu vois un peu? Tu vois, Ouais, c'était tous les les Anglais du vendredis. vendredi. Mais bien sûr, mais faut pas suivre. En vérité, c'est là où j'avais découvert autant pour moi que il y a des gars qui parlent sérieusement anglais. Bien sûr, il y a les gens qui parlent anglais. Mais Il y a des c'est-à-dire que gens qui parlent anglais chez nous, dans nos pays. Il y a des clubs d'anglais. Renseignez-vous autour de vous. Parlez à vos professeurs d'anglais à l'école. Il y a des clubs. Tu vas. Tu pratiques ton anglais, tu parles. Et le plus important, il ne faut pas avoir honte. Ce que je sais, dans l'Afrique centrale, si je prends le Congo et le Gabon, parce qu'on pense à peu près pareil, on s'agit du milieu du travail, du milieu de l'école, lorsqu'on ne connaît pas, on a tendance à avoir honte, non seulement de s'exprimer, on a aussi honte de poser les questions. On va se dire que non, ce sont des questions inutiles, ce sont des questions bêtes. Non, il n'y a pas de questions bêtes lorsque tu veux apprendre. Soyez humble, posez les questions, demandez. Faut pas, même si quelqu'un se moque de toi à côté, en réalité, ces personnes vous disent même merci. Parce que peut-être la question qu'ils avaient envie de poser, tellement ils ont honte, toi tu as posé la question, là ils ont trouvé la réponse. Donc, moi, avant de quitter le Congo, quand quelqu'un parlait anglais, je comprenais très bien. Je pouvais écrire, mais je ne parlais pas. Ma langue était peut-être lourde, mais je ne parlais pas. Donc, du coup, moi, je suis partie, avant de venir aux États-Unis, je suis partie au Ghana. Je devais continuer mes études au Ghana. Je travaillais déjà. Mais moi, comme j'ai dit, je suis une vraie aventurière. J'ai mon cerveau, je ne sais pas. À un moment donné, si j'apprends la même chose tout le temps, je me fatigue. Donc, j'ai besoin de stimuler mon cerveau avec une nouvelle connaissance. Donc, je suis partie au Ghana. J'étais partie au Ghana.
Et ben, en 9 mois, je parlais anglais. Bon, quand j'étais arrivée, déjà en 1 mois, je faisais déjà mes conversations, je discutais maintenant. Donc, n'ayez pas honte. Donc, tu veux venir étudier aux États-Unis, je vais encore le rappeler. Tu veux venir étudier aux États-Unis, Warren est là, il est de Nexus Consulting Group, LLC. Ça, là, c'est en français. Nexus Consulting LLC. Une organisation, une agence spécialisée de vous orienter, de vous assister pour venir étudier aux États-Unis. Alors, le truc, c'est On que. sera là pour vous Ouais. assister. Alors, le truc, c'est qu'il faut mettre le numéro de la chargée de la communication en commentaire. Hein. Donc, attends, je vais faire là maintenant, là. Oh, in a second. Ok, no problem. Non, Oh, in a go second. ahead, go ahead, go ahead. Donc, voilà, donc c'est ça, c'est-à-dire, les amis, si vous voulez directement avoir des informations afférentes à Nexus Consulting, priez simplement de nous contacter à travers le numéro WhatsApp qui va s'afficher en commentaire dans peu de temps. Donc, voilà quoi. Et on va se faire un plaisir de prendre votre dossier et puis commencer votre parcours aux États-Unis dès maintenant, en fait. Et puis, l'autre chose aussi que je veux dire, c'est que, vous savez, récemment, on a découvert qu'il y a des gens qui sont fait passer pour des personnes qui faisaient des inscriptions, notamment au niveau du Gabon chez moi, là où il y a des gens qui, il y a 30 familles qui se sont fait arnaquer parce que justement, ils ont fait confiance à ce monsieur-là qui leur a volé de l'argent et maintenant là, le monsieur est en prison. Et là, j'ai envie un peu d'attirer l'attention aux parents qui veulent envoyer leurs enfants étudier à l'étranger. Donc, Gracia, quand tu peux, mets le numéro de la secrétaire, de la chargée de la communication en commentaire, s'il te plaît. OK. Voilà. Donc, le truc, c'est que là, je vais parler un peu aux parents parce que récemment, comme je disais, on a découvert qu'au Gabon, il y a un jeune homme qui a arnaqué 30 familles, des millions, Oh mon Dieu. en leur promettant des inscriptions en France avec visa à l'appui et logement. Donc, il y a des familles qui ont même pris leur, on va dire ça comment, leur épargne, parce qu'il y a des familles qui avaient épargné pour leurs enfants, et ils ont pris leur épargne, et ils se sont fait arnaquer, en fait. Et aujourd'hui, le monsieur est en prison. Alors, je vais attirer l'attention des parents aujourd'hui, c'est-à-dire, si actuellement tu es en train de regarder ce live, ou bien tu vas regarder cette émission, je vais te dire une chose. Vous savez, comment est-ce que vous pouvez arriver à discerner quand on veut vous voler de l'argent de façon malhonnêtement, quand quelqu'un vous propose des services qu'on vous offre, par exemple? Déjà, pour commencer, on ne peut pas garantir. Quand vous entendez qu'on vous dit, par exemple, non, on vous fait des inscriptions, par exemple, aux États-Unis ou en France, et on vous garantit le visa, il faut fuir. Il faut fuir. Parce que, en fait, une structure qui s'occupe de trouver des étudiants, des écoles, ne garantit jamais le visa. Parce que le visa ne dépend pas de la structure. Vraiment. C'est la raison pour laquelle nous, on joue franc jeu avec vous, en vous disant que, oui, il y a beaucoup d'arnaques dans ce business-là. Mais en vérité, nous, on n'est pas venu ici pour arnaquer les gens. C'est à cause de ça qu'on joue franc jeu en vous disant que si vous avez tous les documents en bonne et due forme, nous, ce qu'on peut vous garantir, c'est l'inscription. Mais le visa ne dépend pas de nous. Le visa dépend de ce que tu vas aller raconter à l'ambassade. C'est ce qui va faire en sorte qu'on te donne le visa ou qu'on te refuse le visa. Mais malheureusement, il y a des familles qui sont tombées dans cette arnaque de ce jeune homme-là, parce que c'est un jeune homme de 29 ans, en fait. Un jeune de 29 ans qui a fait ça. Et c'est tellement dommage parce que ce genre de jeune-là, ce qu'il ne sait pas, c'est que derrière ça, quand il se comporte comme ça, comme disait souvent mon cousin, quand un jeune se comporte comme ça, derrière, il casse le pont aux autres. Parce qu'il est peut faire ce Sérieux. business-là sérieux, tu vois un peu, qui veulent vraiment résoudre un problème dans la communauté. Mais comme ils ont déjà entendu ce genre de choses-là, ils vont être peut-être réticents en disant non, et si c'était, et si. Les amis, avec nous, avec Nexus Consulting, il n'y a pas de et si. Nous ne sommes pas ici pour arnaquer les gens, nous sommes ici
pour résoudre ce problème-là. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui veulent que leurs enfants ont des... on appelle ça comment? On sait qu'il y a des gens qui veulent que leurs enfants aient une éducation de qualité, en fait. Et c'est la raison pour laquelle on veut vraiment résoudre ce problème-là. C'est ça. Donc, voilà, c'est ça. Il fallait que je précise ça parce qu'après, sinon après, ça va dans tous les sens et on mélange tout le monde. Voilà. Mais tout le monde n'est pas pareil. Attends, toi, tu es sur YouTube depuis je sais pas combien d'années déjà. On est tous sur les réseaux depuis longtemps. Il y a moyen de nous contacter tout le temps. Exact. Donc, pourquoi on va mentir puisqu'ils peuvent aller sur Internet et détruire nos images et tout comme ça? Voilà. Personne n'a le temps de cela parce qu'on veut faire des choses concrètement. Donc, du coup, c'est vraiment désolé pour ses parents. Je sais que c'est triste. Tu vois la sueur de ton front, que voilà, quelqu'un vient vous arnaquer. C'est vraiment décevant. Mais comme on dit, pour les enfants, on continue toujours de tout faire, quoi, parce qu'on veut s'assurer que nos enfants, lorsque on n'est plus là, ils ont tous les outils pour s'en sortir, en fait. C'est ce que ma Exactement. mère me disait tout le temps. Peu importe combien de temps ça va prendre, je veux m'assurer que je peux m'assurer que tu vas recevoir l'aide dont tu as besoin. Que tu as tous les Exact. outils pour t'en sortir de ce monde. Tu as tous les outils pour t'occuper de toi. Donc, du coup, c'est vraiment décevant. Mais comme on dit toujours, on va toujours tout faire pour nos enfants, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc c'est ça, c'est-à-dire que il faut savoir à qui on peut faire confiance. Et puis le truc c'est que bien évidemment nous on est là, on est en ligne avec vous, on a même récemment là, on est en train de peaufiner les dernières choses parce qu'on veut avoir un représentant du côté de Libreville bientôt. Donc et ça va aussi s'étendre du côté du Congo et dans chaque ville en Afrique. Mais alors, il y a aussi quelque chose que j'ai envie de préciser. Et ça va apparaître dans la chaîne YouTube de Warren et Asiana. Alors, là, on a fait une annonce là-bas. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est-à-dire, on a lancé un programme qui s'appelle le programme Nexus Consulting Ambassadeur. On va parler de ça, le programme Ambassadeur. C'est-à-dire, ambassadeur, c'est quoi concrètement? C'est-à-dire, si tu es quelqu'un qui réfère Nexus Consulting à des gens autour de toi, tu vois un peu, c'est-à-dire, et là, j'ai vraiment expliqué ça dans la chaîne, dans la vidéo qui va apparaître demain, c'est-à-dire, par exemple, quand tu réfères quelqu'un à Nexus Consulting et que la personne prend un service à Nexus Consulting, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est-à-dire, dépendamment de ce que la personne aura choisi, c'est-à-dire le plan que la personne aura choisi, ce que toi tu vas recevoir, c'est-à-dire quand la personne commence les démarches avec nous, si toi tu l'as référé avec nous, toi tu vas recevoir 10% du programme en fait qu'il aura pris avec nous. OK, lorsque tu parles de 10% du programme, maintenant parlons-en. Il y a combien de programmes avec Nexus? Parce qu'il y a des gens qui viennent peut-être de nous joindre. D'accord? Nexus, quels seraient les coûts, par exemple? Ok, alors le truc c'est que par exemple, on a trois programmes avec Nexus. OK. On a le programme Gold, le programme Silver et le programme Platinum. OK. Le programme Gold c'est 600 dollars. D'accord. Le programme Platinum non, le programme Gold c'est 600 dollars. Le programme Silver c'est 1000 dollars et le programme Platinum c'est 1500 dollars. Mais bien évidemment, en vérité, on a réfléchi. Parce que bien évidemment, on s'est dit, voilà, il y a aussi une chose. Parce que bien évidemment, on veut être transparent avec tout ce qu'on fait. Alors, en vérité, on a réalisé une chose. Mais là, je vais d'abord finir avec le programme d'ambassadeur. C'est-à-dire, dans le programme ambassadeur, quand tu réfères quelqu'un, dépendamment du programme que la personne va prendre avec nous pour faire son inscription, c'est-à-dire, si la personne a pris, par exemple, un programme de 600 dollars, c'est simple, tu fais le calcul. 600 dollars, 10% de 600 dollars, tu prends ta commission. Si la personne a pris, par exemple, le programme, grâce à toi, par exemple, la personne a pris le programme de 1000 dollars, tu vois un peu, tu fais le calcul, tu fais le ratio.
10% de 1000 dollars, tu prends ta commission, ainsi de suite, également avec le dernier programme qui est celui de 1500 dollars. Donc, okay. En fait, il faut savoir une chose, c'est que toi, c'est-à-dire que la personne qui nous contacte maintenant pour faire les services avec toi, la personne doit mettre ton identité et tes références. Genre référence. Voilà. Pour qu'on te référé pas. Voilà. Parce qu'en vérité, encore une fois, nous sommes des personnes qui sont honnêtes et transparentes. Donc, quand la personne nous contacte, ok, moi j'ai vu votre truc sur YouTube, sur Facebook ou sur Instagram, peu importe. Mais c'est par exemple, c'est Gracia qui m'a référencé à vous. Est-ce que tu vois un peu? Maintenant, elle doit avoir tout le nom de Gracia avec les informations de Gracia. Parce qu'en fait, nous maintenant, quand la personne commence à payer, à faire ses démarches, nous maintenant, on va envoyer à Gracia son pourcentage, sa commission. Donc, c'est vraiment ça le but, en fait. Est-ce que tu vois? Est-ce que c'est clair? Bien sûr que c'est clair. Donc, voilà. Pour résumer ce que Warren vient de dire, Nexus Consulting LLC est spécialisé dans la fourniture de services d'orientation et d'assistance pour les futurs étudiants d'étudier aux États-Unis. Laisse-moi dire cela. D'accord? Yes. Donc, lorsque tu joins Nexus va t'offrir à trois offres et c'est à toi de faire le choix. Donc, ils ont l'offre Gold, l'offre Silver et l'offre Platinum. OK? Donc, chaque offre, donc chaque service a des coûts. Yes. Parce que pour être honnête, ce que je comprends avec Nexus, ce qu'ils sont en train de faire, c'est que lorsque tu vas faire ton inscription, l'école te demande des informations, par exemple. Est-ce que le futur étudiant va faire entrer ces informations lui-même dans le site de l'école pour leur inscription ou bien Nexus va les assister? Parce qu'il faut expliquer cela. Excellent, très bonne question. Alors, en vérité, ce que nous on fait, vous savez, en vérité, ce que nous on a compris, c'est quoi? C'est-à-dire, on a mis un système en place qui fait en sorte que, en fait, il y a deux choses que l'étudiant fera simplement. Il y a deux choses. C'est-à-dire, quand l'étudiant nous donne tous ces machins, tous ces documents et que l'étudiant a payé, il y a deux choses que l'étudiant fera quand il va commencer les démarches avec nous. Deux choses. On va simplement l'envoyer on va simplement l'envoyer son inscription pour qu'il signe et pour que son preneur fasse. Nous, on fait le reste, c'est-à-dire on fait toutes les démarches pour l'étudiant. À la fin, c'est-à-dire parce qu'en vérité, la démarche prend environ 1 à 2 mois, un mois et demi par là. Tu sais pourquoi ça prend 1 à 2 mois? Est-ce que c'est parce que les études aux États-Unis, c'est par session ou bien... Parce que tu sais, par exemple, au Congo, chez moi, la rentrée, c'est en octobre. De octobre jusqu'à juin, juillet, si je ne me trompe pas. Il n'y a pas de rentrée entre le milieu. Non, ça, c'est la session d'automne. Ça, c'est la session de printemps. Ça, c'est la session de l'hiver. Est-ce que tu penses que ça peut prendre du temps comme ça à cause de ça? Non, non, non. La raison pour laquelle ça prend un peu de temps, c'est parce qu'en vérité, quand on fait les inscriptions comme ça, la vérité, c'est que beaucoup de gens font les inscriptions. Hein. C'est-à-dire, quand ce qui se passe là, pendant qu'on est monté de palier, les gens qui sont en train de s'inscrire. Donc, en fait, en vérité, ça suit un protocole. C'est l'administration, en fait. Ok, c'est d'accord. L'administration. Donc, les amis, vous entendez? C'est l'administration. Hein? Voilà. Donc, c'est pas comme si c'est quelque chose qui dépendait de notre volonté. C'est vraiment l'administration. Il faut savoir que En fait, quand on était au pays, on disait toujours, oh, l'administration est trop lente. Non, non, l'administration est la même partout, en fait. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, ça veut donc dire que quand ça prend un mois et demi, c'est parce que justement, on traite vos dossiers. On traite vos dossiers. Donc, quand tu dis on traite les dossiers, je ne voulais pas t'interrompre. Donc, l'étudiant va vous envoyer, par exemple, l'étudiant réussit au bac, ils vont envoyer leurs documents, déjà traduits, si je comprends bien. Yes. Vous envoyez ces documents à Nexus. Parce que vous vous rendez un peu compte comment est-ce que Nexus va faciliter votre procédure d'inscription, votre démarche. Dans le sens où tu n'es pas obligé de t'asseoir devant l'ordinateur, toi-même. Ou tu vas ouvrir une page internet. Des fois, il y a certains sites où il n'y a pas l'option de traduire ça en français. Tout est en anglais. Donc, Nexus Consulting, basé aux États-Unis, au Nebraska,
va vous aider une fois que vous faites la traduction de vos documents. Je ne sais pas, peut-être votre bac, vos relevés bancaires, peut-être vos bulles, les trois derniers bulletins, votre relevé de notes de bac. Vous envoyez cela à Nexus Consulting LLC basé aux États-Unis. Mais avant tout cela, lorsque vous allez contacter Nexus pour dire que oui, je voudrais travailler avec Nexus, Nexus vous dira quelles sont les écoles où vous pouvez trouver votre inscription. Parce que croyez-moi, le système éducatif aux États-Unis, il est complètement différent du système de chez nous. Pourquoi? Chaque école a sa propre procédure. Il peut peut-être demander les mêmes documents, mais chaque école a sa propre procédure. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a certaines écoles où, par exemple, les cours d'anglais ne sont pas offerts. Tu dois directement commencer avec tes cours universitaires. Par contre, il y a deux écoles. Tu vas d'abord commencer par l'anglais. Et après, une fois que tu satisfais ton diplôme d'anglais, je ne sais pas, le TOEFL, le diplôme qu'on demande et tout, l'examen qu'on demande, c'est là où après, que tu vas maintenant commencer avec tes cours la première année de l'université ou bien la première année du collège. Parce que Warren, tu as oublié d'expliquer, c'est comment le système universitaire ici aux États-Unis. Alors, le système universitaire, c'est-à-dire, on va dire concrètement, il y a deux, c'est-à-dire après l'école, après ton année de langue, tu vois un peu, quand tu as fini d'apprendre l'anglais, tu as deux options après, c'est-à-dire tu peux aller dans ce qu'on appelle les community college, c'est-à-dire les diplômes de 2 ans, ou soit après tu vas dire, bien si tu veux, dépendamment de toi et de tes moyens, tu peux directement pivoter, tu vas directement à l'université. C'est-à-dire que l'université, tu peux aller jusqu'au doctorat, c'est tout. Oui, vas-y. Donc, je vais récapituler pour vous les amis, parce que moi, je dis pour moi, la répétition, c'est la meilleure des sciences. Hein? Donc, aux États-Unis, l'université, tu as deux options. Tu as le community college, où tu vas avoir un diplôme Bac plus 2, qui est appelé Associate Degree, ou chez nous, qu'on appelle le BTS, où tu vas directement à l'université pour faire ta première, deuxième, troisième année, quatrième année. Ici aux États-Unis, la licence se fait en 4 ans. D'accord? Donc, laisse-moi te poser la question. Même les Américains vont au community college, vrai ou faux? Mais bien sûr. En fait, le community college, qui est le diplôme de 2 ans, en fait, là où on prend le diplôme de 2 ans, c'est parce qu'en vérité, il y a des gens qui ont compris que parfois, c'est-à-dire que en vérité, c'est parfois aussi bien de commencer d'abord par le community college, c'est-à-dire que tu prends d'abord ton diplôme de 2 ans, et puis même, tu peux même d'abord commencer à travailler déjà avec ton diplôme de 2 ans. Ok. C'est-à-dire, voilà. Donc, tu peux commencer avec le community college. Donc, une fois que tu finis avec ta langue, tu peux aller au community college. Est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que c'est à cause des coûts moyens, peut-être les frais académiques? Est-ce que les frais académiques sont les mêmes quand tu fais un associate degree, après pour continuer l'université? Les frais, les coûts sont les mêmes ou bien les coûts sont différents, par exemple? Non, non, les coûts sont totalement différents parce qu'en vérité, ce que tu fais, c'est que quand tu prends d'abord ton diplôme de 2 ans, comme je le disais, c'est-à-dire ça te permet déjà de limiter les coûts, en fait. C'est-à-dire, tu es allé dans ce qu'on appelle un community college. Tu as d'abord pris ton diplôme de 2 ans. Mais alors que parfois, si tu veux directement faire le long processus, tu vois un peu, c'est-à-dire passer par l'université, parfois ça peut être. Mais encore une fois, ça dépend vraiment et puis ça dépend aussi de la filière que tu prends. Tu vois un peu parce que les crédits aussi dépendent de la filière que tu prends. Donc, plus de crédits tu as, plus les frais seront élevés pour toi. Bien sûr. Ok, les amis, pour ne pas être confondu, quand on parle des crédits, ici aux États-Unis, au pays, on appelle ça juste les matières. Voilà. D'accord? Donc, quand tu choisis ta filière, ok, tu veux peut-être faire management des entreprises. Peut-être pour avoir le associate degree, c'est peut-être, je ne sais pas moi, 50 matières. Is it like that? Yeah, kind of. Yeah. Donc, peut-être 50 matières et tout. Par contre, quand tu prends le cycle tout entier pour faire la licence, peut-être 80 matières ou bien 100 matières.
quelque chose comme ça là. Donc, n'ayez pas peur, hein. Je vous dis que les études aux États-Unis, chez nous là, on souffre déjà beaucoup pour les études. Donc, si tu as réussi à avoir ton bac dans ton pays d'origine, ça veut dire que tu peux étudier aux États-Unis. Donc, une fois de plus, pour ceux qui viennent d'arriver, Nexus est spécialisé dans la fourniture des services d'orientation et d'assistance pour étudier aux États-Unis. Nexus va vous assister sur la démarche et votre inscription. Si vous voulez peut-être aussi trouver le logement et vous voulez que Nexus fasse la recherche pour l'endroit où vous allez vivre, Nexus peut vous assister. Et encore, ils offrent 3 services. Leurs services viennent en 3 offres. La première offre qui va coûter 600 $, la deuxième offre qui coûte 1 000 $ et la troisième offre qui coûte 1 500 $. Donc, si vous avez des questions, envoyez un message à Warren, Guerrier Mental. Envoyez un message à moi. Je suis là. Vous envoyez un message, je peux vous envoyer le prospectus. Vous allez voir toutes les informations qui a email. Donc, une fois de plus, Nexus est là pour vous assister. Chers parents, vous êtes inquiets pour vos enfants. Où est-ce que je peux envoyer les enfants? Qui peut nous aider avec la démarche, la procédure? Si ce sont les États-Unis, que le pays que vous avez ciblé pour votre enfant, nous sommes là. Nexus est là pour vous assister, en tout cas. C'est ça. Et puis, l'autre chose que je voulais préciser, c'est que j'ai mis le numéro de la chargée de la communication juste en commentaire là. Les gens peuvent bien. Oui, moi aussi j'ai mis ça tout à l'heure. Ouais. Can I copy? I cannot copy it. Ok. Non. Donc, les amis, tapotez à l'écran, s'il vous plaît. Tapotez à l'écran. Tapotez là. On est comme. Comment ça? Tapotez à l'écran. Tapotez. Man, I've been listening to this all the time. Voilà, tapotez à l'écran, la famille, c'est important. Donc, les amis, donc c'est ça, c'est-à-dire, il n'y a que ça. Nous, on est vraiment là, on est vraiment à votre disposition. Et on veut vraiment faire en sorte que l'expérience que vous allez prendre avec Nexus Consulting, de façon naturelle, ça vous donne envie de revenir et de référer encore le personnel. Voilà, parce que vous savez, vous avez des cadets, vous avez des cousins, vous avez des frères et sœurs. Vous sentez que non, écoute, tu sais quoi, tu peux venir étudier. Si vous avez des amis, en fait. Exactement. Mon ami, rejoins-moi. Est-ce que tu veux venir étudier aux États-Unis? Rapproche-toi de Nexus Consulting parce que Nexus m'a assisté. Nous sommes là pour vous assister, en tout cas. C'est ça. Votre démarche, comment étudier, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver l'inscription. C'est ça. Exactement. Ben, écoute, je pense que... Est-ce qu'on a encore d'autres questions, là? Dites-nous si vous voulez avoir un autre live samedi, dimanche. Oui, en fait, effectivement, c'est ça, la famille. Si vous avez des préoccupations, bien sûr, vous voulez davantage, dites-nous, hein, parce que c'est... Nous, on est là pour vous servir, en fait. On est vraiment là pour vous servir. Et nous, ça ne nous dérange pas de communiquer avec vous, parce qu'en vérité, vous savez pourquoi on fait ce genre de direct-là? C'est parce que je me souviens... À l'époque, souvent, il y a certains business parfois que, il y a certains achats par exemple que tu as manqué d'acheter parce que tu avais vu ça une fois, mais après. tu as oublié, tu vois un peu, non? Et après, tu es revenu, et la personne peut-être était plus là où la personne avait fermé le truc. Raison pour laquelle on est là, nous on communique parce que on veut davantage que vous soyez au courant de ce qui se passe. Donc, c'est notre travail de venir là et de communiquer avec vous parce qu'on veut vraiment que l'information soit transparente. Donc, n'hésitez pas à contacter Gracia ou moi, ou encore, pour être plus professionnel, pour avoir toutes les réponses, allez directement vous prendre le numéro WhatsApp de la secrétaire. Et notre adresse email aussi, vous pouvez nous contacter par adresse email. Ben écoute, Gracia, c'est quoi ton mot de la fin? Ce que je veux dire, c'est que... qu'est-ce que je vais faire pour motiver les jeunes? je dis que, en tout cas, au bachelier, vous dites que l'école, la vie était dure quand vous étiez au collège, lycée. Non, là, c'est maintenant la vraie vie qui commence. Oh, c'est trop bien d'être étudiant, hein, parce que là, tu es dans le monde découverte. Tu cherches à découvrir ce que tu cherches à connaître ta personnalité, qui tu es. Mais il faut savoir s'entourer des bonnes personnes qui vont t'orienter.
Pas les mauvais, on dit toujours fuyez les mauvaises compagnies. Entourez-vous des personnes qui vont vous motiver, des personnes qui peuvent vous assister quand vous êtes dans le besoin, en tout cas. Donc, c'est ce que je vais dire. Et contactez Nexus si vous voulez venir étudier aux États-Unis. Et on va vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Exactement. Alors, moi, pour finir, je vais simplement vous dire que, écoutez, les amis, et là, c'est un petit rappel à parfois aux gens qui ont peur peut-être de venir aux États-Unis parce qu'ils ne parlent pas l'anglais. Vous savez, en vérité, nous tous, on est passé par là, par ce domaine d'apprentissage. C'est-à-dire apprendre à parler l'anglais. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, en fait, si vous voulez avoir une meilleure vie, ou bien si vous voulez avoir une nouvelle compétence, n'ayez pas peur de tenter de nouvelles expériences. Parce qu'en vérité, c'est quelque chose de nouveau pour vous, et ça vous forge aussi. C'est-à-dire, si par exemple, tu veux venir, tu dis que non, mais moi, je ne parle pas l'anglais, tu peux apprendre l'anglais. L'anglais, ce n'est pas un problème. Je veux dire, non, mais voir, il faut dire. Entre l'anglais et le français, qu'est-ce qui est plus difficile? Qu'est-ce qui a plus de règles? Le français a plus de règles, hein? Croyez-moi. Le français a plus de règles. L'anglais, le là, c'est le même mot. De. Voilà. Un, une, c'est le même mot. Un. C'est tout. C'est ça. C'est tout. Voilà. Donc, n'hésitez pas, ne restez pas, ne respectez pas dans votre zone de confort. Mais lui, ça m'intéresse, mais j'ai peur, je ne parle pas. Non. Nous tous, on est venus, on a appris l'anglais et on a parlé l'anglais. Donc, toi aussi, tu peux le faire. Tu peux venir, tu peux le faire. Donc, il n'y a rien qui est impossible, en fait. Donc, contactez-nous, on va se faire un plaisir de vous assister et faire en sorte que vous venez aux États-Unis le plus tôt possible. Regardez là, c'est la Là, on est dans le summer, c'est-à-dire la partie du fall, là, c'est la prochaine rentrée. Voilà, c'est quoi? C'est le printemps, hein, le fall. Automne, ah, vraiment, tu vois, c'est pas du quartier. Voilà. Donc, la session de l'automne, là, vous prenez on commence déjà votre inscription pour que vous veniez le plus tôt possible, en fait. Parce qu'aux États-Unis, les rentrées se font par session, en fait. Donc, voilà. Donc, on est là pour vous. On va aller prendre le numéro de la chargée de la communication. Elle va se faire un plaisir de répondre à toutes vos questions. Et sur ce, on se dit à la prochaine. On va peut-être faire encore une autre émission, peut-être demain ou dimanche. Voilà, dépendamment. Parce que je pensais, tu sais, les gens qui sont chez nous là-bas au Congo, peut-être à certains, ils dorment encore, ou bien peut-être on ne peut pas se réveiller. Peut-être faire demain matin. Ah non, I'll try to see. Yeah, let's keep talking and see. What's going on? Yeah, I'm thinking like in the morning. Maybe you will do that with Asiana. How about that? If maybe Kimia let us sleep. Yeah, we can do it. Yeah. We can do it. I think I can. Yeah, I have to keep the one, and then she will do it. Yeah. Okay. All right. Yeah, let's plan for that. Let's plan for that for next time. Pour next time. Ah non, je vais voir si je peux commencer le live et juste me mettre à parler, juste discuter de Nexus, c'est tout. Until she join you. Okay, until she joins me. Yes, no problem. Yeah. All okay. Right. Pas de souci. All right. Have a good night. Okay, les amis, good night. Bon, moi, je vais aller prendre mon vin maintenant, hein. C'est vendredi soir. Très bien. Tous les chats sont gris. Vendredi soir, tout est permis. Tous les chats sont gris. En tout cas, bon, voilà, famille. Ok, bye bye, on est ensemble. Bye, on est ensemble.